parle selon votre compréhension. Oui. Je voulais commencer par un commentaire. Pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui, sur le système Internet, s'amusent à véhiculer des informations, à entrer même, suivant mon analyse, ma compréhension, dans une série de mouvements similaires à des manipulations ou des tentatives de manipulation. Il y a des gens qui peuvent le faire en toute innocence, en oubliant que nous sommes à l'intérieur d'un dossier criminel. Il faut faire très attention. Donc, et de telle sorte que quelqu'un, en toute innocence, peut se mettre à transmettre des informations, à transmettre des éléments qui ne seraient que de la manipulation dans une affaire criminelle. Car, dans une affaire criminelle, quand vous tentez de manipuler l'opinion publique, cela témoigne de l'intérêt que vous auriez dans un dossier qui lui va être un dossier criminel. Il y a des gens qui peuvent en toute innocence se livrer à cette activité. Pour ceux-là qui savent très bien ce qu'ils font, c'est leur choix. Mais il y a des gens qui le font en toute innocence, qui peuvent se retrouver en situation de donner des explications sur un dossier dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Donc là, c'est une mise en garde ou bien un conseil? C'est un conseil parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans la transmission d'informations en toute innocence, sans savoir qu'ils transmettent des éléments de manipulation dans un dossier qui lui-même est criminel. Et ce n'est pas uniquement un dossier national. Nous, en Haïti, nous présentons surtout et sur d'autres choses, en toute matière. À l'étranger, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes passés en période là, colonel Rebu, côté toute institution nous a été affaiblie, nous n'avons pas de capable de faire la justice, la police est affaiblie, et que tout le monde qui a fait ça, yo, peut-être en toute innocence ou en toute naïveté, il y a seulement quoi que c'est même bagaille là, et que même si international a impliqué dans la question, même si son enquête criminelle à portée internationale et que moun capable continuer faire ça yo vle, est-ce que c'est pas ça colonel? Bon, c'est ça que permet de dire ça parce que des moun qui ne doivent pas connaître rien et qui retrouvent comme transmetteur d'informations dans des dossiers, dans un dossier qui lui est criminel au niveau international. Et puis vous retrouvez la situation pour des explications que vous pas gagné. Surtout, si on a fait manipulation, c'est un monde qui intentionnellement a essayé de changer des données qui sont événements. Donc, ils vont faire attention, donc, à des gens qui pourraient se retrouver dans une situation embarrassante en tout le temps. Donc, si on a manipulé l'opinion, ça veut dire que, colonel, où est intérêt? Exactement. OK. Bon, maintenant, on a le sous. Soit assassinat à proprement parler, colonel, compréhension de ça ou même. Un bagage qui est totalement impossible. S'il vivait, il faut questionner chaque palier dans le système de sécurité président la CAIDA. Parce que la sécurité d'un président, il faut que l'aspect, il y a l'aspect sur les éléments mobiles. Il y a une manière d'organiser que les éléments fixes. Et le président a trois éléments fixes probables. Le bureau de travail, la CAILI, ou bien un rendez-vous que tu as gagné à l'extérieur de la CAILI, ou bien le bureau de travail. Dans chaque cas, il y a un dispositif que vous mettez en place. Un dispositif qui a techniquement fait pour organiser nos systèmes de circonstance. Cela veut dire que du point le plus éloigné ou menace à Capini, vers le point le plus rapproché. En ce qui concerne la résidence du président, le principe serait que, du point de vue périphérique, contrôle les présidents de la CAILI, ça suppose faire depuis un point de commissariat, c'est Jean-Ville Lafort et Hôtel Kinam, non? Le
leur a monté. Et leur pour descendre, depuis le point Thomasin 25, arrivé vers la boule 12. Maintenant, leur a pris sur le plan latéral, sur une route avenue d'approche. Ils l'ont passé par la route de Thomasin vers Montagne Noire, qui a mené vers l'évidence. Nous supposons qu'il y a un contrôle sur toute périphérie, ça. Ce sont les points éloignés. Et là, on va rapprocher, d'ailleurs, toujours, et là, on va rentrer, et on va regarder dans. Il y a un dispositif qui, sous la rue, même si théoriquement, supposé séparer espace de sécurité résident avec espace de circulation courante, là. Est-ce que là. Il y a un monde qui a une mauvaise intention. Pas qu'à briver, pénétrer tout l'espace d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la route directe qui mène à la présidente, voie barrière à la présidente, voie pour rentrer dans la voie, puis là, il faut rentrer en dedans, car elle a plus d'avant quoi pour rentrer en dedans, chambre présidente. C'est à moins que le monde qui est responsable contrôle la sécurité président, retire tout palier ça, de telle sorte que l'agression est capable de rentrer. Or, qui ça moi-même m'a suivi de l'événement au commentaire? Ce n'est pas un élément où l'élément surprise d'hérité complète, parce que les gens pilent le tir qu'a fait jusqu'à ce que toi, quand mon Nakadia a filmé ça qu'a fait, a transmettre sur vidéo. Il y a des gens qui ont parlé, des gens qui ont pas d'informations, d'après les gens qui ont pas tiré. Et opération DEA. Maintenant, si opération DEA a fait à 1h du matin quand on vous dit de la République, dit que son opération d'Ostel, c'est qu'en opération DEA. Maintenant, moi qui l'a voulu faire le président. Vous devez camper sur point ça, colonel. Comme moi dit, on pile palier ce qu'on appelle les échelons de la sécurité. On va capter qui passe, on passe, on passe, on passe, jusqu'à ce que le président. Donc, c'est là mon premier problème, ma parole sur le plan physique. Sur le plan physique, tout ça passe. Pour le monde qui vient, pour le monde qui est entré, premièrement, qui est tué, qui est déjà fait entrer, tel gens pour le rentrer, il y a deux gens pour le rentrer. Ou bien, bon monde qui ouvre barrière, ou bien, il a tué tout le monde qui sont pas liés pour empêcher de vivre comme président, et puis nous rentrer de force. Donc, c'est le premier monde pour poser des questions, c'est tout le monde qui est dans le dispositif. Ça. Parce que ça crée un bagage qui est totalement impossible. Et puis, il faut nous raconter au moins 8, 9, 10, 15 monde mourir avant d'arriver, même pas là avec le président, pour avoir le cas tué le gars au pied. Est-ce que nous pouvons parler de failles techniques ou de tromper vigilance? Moun ki affecté la sécurité président. Mba ou ekizan. Premier, mba pas kapye faille technique. Si gen faille technique, c'est que moun d'ap soukombe. Maintenant, si j'en pour tromper vigilance, on est qui ont sentinelle, son point extrêmement sensible. Non. C'est bien possible. Alors, ça fait m'baler de ça, tromper vigilance. Parce que tout le monde entendait sous vidéo, il y a un qui a dit, monsieur, c'est dit, il est parti, et ce n'est pas une minute, il est parti sur vous. Oh, mais c'est le président seul dans ça qui vous a informé, qui a fait l'autorisation pour vous entrer. Donc, moi, sous poste, un poste de défense de la sécurité du président de la République, deux, trois mon au cœur de la vie, il est parti sur vous. Et puis, pour nous amener à guider André, il faut que l'information soit allée jusqu'à président et que le président lui-même a connu le rendez-vous avec Mounzaïo pour lui avoir autorisation pour André. Mais par contre, il y a un monde qui a bien autorisation pour le président et il y a un monde qui a l'autre pour être capable de rentrer. Ça veut dire qu'on est pour son sentinelle ou son poste de défense pour le président de la République. Il n'y a pas de gens qui prennent dans le microphone, ça peut être interviewé pour les gens qui sont rentrés, ça n'existe pas. On va prendre ça sous responsabilité, en tout cas. Lorsque ça arrive, on t'a relé. Comme c'est le président qui est tout plein directement et qui
potentiellement là, c'est pour t'informer et c'est lui pour t'avoir instruction. De toute façon, en parallèle, pendant que tu as fait le président comme ça, pour que tu aies les gens qui sont responsables, qui disent, mais c'est le problème qui vient, qui ça vous fait. Donc, dans le cas ça, selon vous-même, il y a un peu de monde qui est impliqué. Bon, pas un peu de monde, ou quoi? Vous dites un seul? Simplement, un monde qui a une capacité pour faire l'autre. Ou dit au monde qui a une capacité pour faire pour l'autre. Mais... Oui, un monde qui a une capacité pour dire au monde qui est sous portion. Mais colonel, comment mounio en fait agent ça c'est pas des zombies que voyez tout les autant des empire coup de zame à tirer en dedans jusque là pour pas réagir au même est-ce que vous êtes abdormi ou bien est-ce que vous êtes sous base ou bien est-ce que gagné en pile bagage que moun pas qu'à comprendre colonel et vous avez bah qui sait moi je pas gagne 11 ans pour qu'ils soient capables de rentrer. Comme ça, quand vous pouvez même arriver devant barrière, caille président, jusqu'à ce qu'il y ait tiré dehors. Au moins, ça a tiré. Comme on dit en situation d'agression. Parce que une caractéristique opération SAO, c'est le secret et le silence, la surprise, jusqu'à ce qu'on mette son possible là. Pour pas qu'on finisse dans un cas où vous président vous tirer. Tant qu'on peut rentrer dans la croix, tant qu'on peut rentrer dans la taille là. Non, mais est-ce que c'est pas l'œil rivé? Totalement hors norme. Colonel, est-ce que c'est pas l'œil rivé en dedans qui commence à tirer? Je ne connais pas. Mais l'image que je t'ai regardée, le déploiement que je t'ai regardé, qui était sur tout Internet, là où est monsieur, il y a une machine, il y a un projecteur, où est monsieur, il y a une machine, qui a déployé, tout pour voir ce qu'il a fait. Tant que vous n'avez pas sécurité du président, bah ouais, tant que vous n'êtes pas au courant, à moins que vous ne soyez pas du tout. Et même si vous êtes là, même si attaque vous êtes diminué, il faut que vous ayez les chefs pour vous dire, gros problème là, mais il y a des gens qui ont dit, oui, vous avez le président et vous avez le monde qui s'est pour vous prendre ça pour vous faire. Mais depuis qu'il est tiré dans la bataille, c'est qu'on engage la bataille, et si on engage la bataille devant, vous répondez. Ok, nous tant d'explications, nous tant de compréhension de ce qui s'est passé à colonel, mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit tout simplement un complot. Un complot, local ou bien un complot international? Non, ça a son bagage. Donc vraiment, c'est une possibilité très bien organisée. Qui est organisé techniquement avec tous les gens des complicités du palais, pour s'adapter en douceur pour ça. Et puis, il y a plus l'information qu'on parle. C'est de l'intoxication. Sur le plan technique, ils ont dit que ce sont des Colombiens qui montaient et qui viennent assassiner le président. Et puis, les Colombiens, ça dit des professionnels qui ont assassiné le président, nous retournons dans le même cas pour se retourner en vous dans l'opération. Qui retourne à moins de 600 mètres d'un poste police. Écoutez, il y a un principe tactique qui te dit. Dans une opération, la route de la ligne n'est jamais la route du retour. Dès que si on passe dans le chemin ou à l'opération, on a l'autre point d'évacuation pour sortir. On ne peut pas sortir ou retourner au même côté. Parce que l'on passe un côté pour quitter un type, pour quitter l'information qui a fait récupérer. Les professionnels, madame, j'en fais ça. Mais si on fait ça, dès qu'on agit en toute innocence, il n'y a pas au courant de ce qui a passé. Bon bagay qui passe, yo dirige, yo regarde, yo pin regarde, yo constate, puis yo retourne la caille tranquillement. Mais en aucun cas, si yo impliqué, yo pas jamais retourner contre yo déjà, jamais. Donc là, vous pensez que Colombien yo est pas impliqué
ou encore même commando a pas vraiment impliqué dans l'assassinat président. Moi pas qu'à tout ça. Moi explique au principe. Yo premièrement, pour yo opération contre la paix, première règle là, c'est le silence, la surprise jusqu'au moment où on met un cible là. Deuxième règle, lorsqu'on met un cible là de beaucoup d'opérations, ou pas qu'à tourner côté au territoire. Gain même plus sur le plan technique. Lors d'une opération, il n'y a pas d'absolu en matière d'opération. Il doit y avoir des ratés. Il y a une étude qui peut faire dans l'environnement, qui peut déterminer ce qu'on appelle des points de ralliement. Si ça t'a mal passé, qui va la rencontrer pour nous réévaluer la situation, pour nous prendre des décisions. En aucun cas, il n'y a pas d'absolu en route qu'on doit aller. Or, mon Dieu, c'est des professionnels aguerris. Maintenant, est-ce que les gens qui font opération et qui font monsieur Sarovini, de telle sorte que vous êtes capable de porter chapeau, je ne sais pas qu'on est. Mais opération fait trop facilement. Nous faisons trop facilement. Par contre, grain cas pour le tapet, pour ne pas avoir au moins 5, 10, 15 dès qui mourent ou bien qui blessent avant que vous arriviez contre le président. Mais il y a rapporté tout colonel que vous croisez monsieur par des groupuscules dans la rue et après le mois président. C'est un élément de l'opération. Et côté l'opération, je ne sais pas si je vais le passer, ou après passer de là. Et pour effacer de la chose, il y a une bonne méthode. Il y a des gens pour éliminer, les sorties de monde n'ont pas besoin de parler. Il y a des gens qui proposent ou pas, qui ont tapé dans le rétine du colo. Donc, c'est un bagage extrêmement compliqué. Et il y a un bagage qui a fait la communion qui a attiré l'attention. C'est qu'on pile information qui a sorti pour faire mon coin du bagage. Et la map qui font donc pile mon bagage d'attention. Mon appel intentionnellement, vous connaissez l'appel, c'est très bien, c'est choix. Obligation va avoir dans ta remise des questions, mais l'autre monde qui a véhiculé l'information, parce que moi, après WhatsApp, tout le monde a pris tout ça, il y a plus de médias, partagés, pour faire attention. Si une opération comme ça capable de faire, les supposer quand même une bonne connaissance de terrain, colonel. On va faire une opération sans qu'on ne va pas faire une équipe de terrain. Surtout entre les zones qui sont présidents, ou entre qui est facile, mais qui est difficile tout. Et là, on apprend, du point de vue organisationnel, par contre, le cas pour le président de l'État, ça c'est évident. À moins que vous assurez un dispositif extrêmement fin et solide et de sécurité. Pour assurer la sécurité au monde, n'importe qui côté, mais vous obligez de faire une étude topographique là. Vous obligez d'étudier point 1 et vous obligez d'étudier tout ce qui est allé 19 fois à 110 km de point 1. Est-ce que vous pensez que l'assassinat du président Jovenel Moïse t'a dû servir de leçon à prochains dirigeants qui ont gagné pour qu'ils capturent le pays? Moi-même, je crois que le premier bagage qui arrivait. Il y a des gens qui vivent dans l'État, dont l'État ne sait pas qu'on est. Qui s'alitaire, qui s'en organise, qui risque, qui gagne, qui menace, qui gagne. Par exemple, je prends le discours du président Jovenel Moïse. C'était un discours politiquement enfantin. C'est un président qui attaque tout le monde, qui des fois cite le monde. C'est quand vous me dites avec vous, je suis obligé d'agir contre vous et puis je tombe avec tout comme de l'agir contre vous. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est un président de la Palo qui a l'impression de déclarer la guerre à d'autres citoyens. Si vous avez des citoyens pour déclarer la guerre, parce que vous annoncez que vous déclarez la guerre, on est que vous arrêtez au fini. De vous seul, vous avez un élément dans mon bout. Mais politique pas faite comme ça. Et ni au bâti comme ça en matière de sécurité. Maintenant, il y a un peu de détails.
je ne peux pas faire cette autorisation par les lieux, ce sont des détails liés à des questions techniques, mais liés à des questions du relevé de la technique de nation. Depuis qu'on met un apprenant, on a fait ça, tout le temps, on a fait ça, pays. Qui contrôle, qui met des sous, qui contrôle sérieux, qui met des sous. Depuis qu'on met un vieux monde capouille, monde cap massacré, et des fois à 300 mètres de balai national, qui s'est fait pour ça? Donc, il y a une série d'éléments liés à un code de compagnonnage, comme si la criminalité, les assassinats, tout le passé pour un bagage presque normal. Par exemple, l'offre, ça a passé pour Belé, pour La Saline, pour Matisse, depuis quelques temps. Qui est-ce qui réagit? Qui est-ce qui dit cette bagaille? Donc, bon, c'est du monde qui vient comprendre que Matisse, tu es mon pays à son bagage normal. Et parce que, justement, c'est passé comme ça. Et pour tout le monde, le système est arrivé sous président tout. Maintenant, l'on a pris une déclaration qui a fait ça. Et moi, je commence à constater. Il y a des chefs, moi en Haïti, qui ont fait élever ou tomber par les suivants pulsions, suivant sa ressenti, suivant sa recouvre. Dans tête l'État, mon chef de la parler, il y a une équipe technique qui prépare les paroles. Par exemple, je suis venu pour la fête là, côté assassinat, à bloquer avec coup d'État, dans un discours ouvert dans un moment très sensible. C'est de l'enfantillage. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut qu'on nous fasse attention. Mm-hmm. En plus de M. UHGPN, il y a plusieurs unités, il y a quatre teams, mais il y a un chien tout, la caille président, il y a un personnel privé, il y a le petit personnel aussi du président, colonel. Bon, il y a tout ceci qui rentre dans l'infrastructure humaine de la sécurité du président. Maintenant, combien de monde qui est responsable ça? Et premier monde qui est potentiellement victime dans le président lui-même, qui connaissance lui gagne pour bagaille ça, ou si bon bagaille qui représente un pays pour le faire ça. Et moi, je ne connais pas. Parce que ce même bagaille-là, par exemple, vous avez appris le maître d'Oval du Mouvia, maintenant, il dit, pendant l'assassinat de la fête, c'est un feu d'artifice dans l'environnement qui est président. Comment on a imaginé que le monde qui était dans l'environnement immédiat à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de taille président, capable de déclencher le feu d'artifice à volonté de l'ouvrir tant qu'il n'y a pas averti le dispositif de sécurité du président, pour qu'on ait tel monde qui a fait faire tel jour à telle heure, il y a capable de feu d'artifice. Et dans le cas, pour taguer le monde qui va déplacer, pour aller en faire ça, pour assurer que ce fait d'activisme va capturer. Donc, il y a une situation elle-même générale qui est bail, côté les éléments primaires de la sécurité pas tenus en compte, et tout le monde fait ça obligé à ouvrir les OV. Ça ne se passe pas comme ça. Et les agences de renseignement national, ils sont nécessaires ou pas? Oh, si des agences de renseignement national, depuis les messieurs TAP, entrer dans la route pour aller vers le télescope là, beaucoup de commissariats, beaucoup de kidnappements, switcher de renseignement, ils ont été au courant, ils ont été fait clean-up sous machine, ils ont été identifié que mon gouvernement, parce que la route qui a pensé, la route qui mène, tout dans le cas du président. Donc ça veut dire que le système de renseignement pas là. Ou bien c'est impliqué. Donc, colonel Rébu, selon vous-même, enquête, ça, elle est facile pour mener. Il va diviser. Il va diviser. Premier monde pour les proposer. Parce que vous êtes un monde qui est responsable de cet État. Vous êtes premièrement Premier ministre. C'est lui-même qui est chef CSPN. C'est lui-même qui est chef CSPN. Il représente le système de sécurité PIA et première personnalité de PIA. Vous êtes un ministre de la Justice là. C'est lui-même qui contrôle la police. Ou bien le ministre de l'Intérieur, il dépose les infrastructures, système de renseignement. Qui ça a été fait? Qui ça a été manqué fait? Qui ça a été mal fait? Qui fait pas de renseignement? Ou bien un système de renseignement primature, ou bien un système de renseignement
des palais nationaux. C'est justement des autres généralisés ça yo, qui fait ou pas cap admission à une institution. Là, par exemple, on dit qu'il y a GPN responsable technique des présidents. Il y a GPN responsable technique des présidents pour l'organisation physique de la sécurité. Mais il y a GPN pas responsable technique des présidents pour la politique, non? Nous n'avons pas un monde qui est responsable de la sécurité nationale. Ça y aurait le aux États-Unis, Homeland Security, là, sur le plan intérieur. Et de la sécurité nationale par rapport aux menaces extérieures. Donc, nous rentrons dans le pays, hein, tout système organisationnel craqué, nous pas chercher à renforcer, nous pas chercher à organiser, et puis nous cahier pour vous pas d'agir là. Par exemple, est-ce que c'est vrai que tout le temps, ton chef de la police est mal de manœuvre en matière de contrôle sécurité président lui-même? Ce n'est pas forcément vrai. Parce que je me crois que les chefs de la police, les chefs de la police, c'est non la guerre, le palais national, mais avec le président tout le temps. Donc, c'est des autres, ça, qui désinstitutionnalisent le pays, hein, qui fait, vous dites, à bien facile, vous dites, OK, Léon Charles, directeur général de la police nationale, lui responsable. C'est vrai. Position contre le Chita, lui responsable. Paul, ma explication. Mais qui marche de manœuvre, il y a le gain sous contrôle dispositif pour contrôler la sécurité des résidents. Gain des fois, il faut faire mon petit chef, puis un GPN, puis chef parce que chef de la police là, au point de songer, mon chef de la police qui t'appelait publiquement, il dit ouais, deux monde en uniforme, avec des armes, des uniformes qu'il ne va pas connaître, des armes qu'il ne va pas connaître. Donc, ces affaires, nous, c'est pour un bagage pour aller rapide. Parce que je dis, à premier monde pour demander l'explication, c'est le chef de la police. Là. Mais, question pour répondre. Qui pouvoir réel chef de la police a gagné dans l'organisation sécurité président? Est-ce qu'il y a une structure qui traite service qui est détaché de affaires la police qui est responsable sécurité président? Donc, il faut aller à l'organisation globale de la sécurité pour aller voir qui est responsable pour poser la question. Monsieur, il y a quelques instants, je me pose une question. Je me dis, est-ce que vous pensez enquête là n'a pas abouti? Ou dites-moi que ce n'est pas difficile. Mais maintenant, est-ce que la famille présidentielle et même les proches, est-ce qu'il y a besoin de justice d'après vous-même? Ça dépend de dimension complot. Il ne doit pas être juste parce que, ma carte là, le premier mouvement que tu as fait, tant au niveau national qu'international, c'est un bon mouvement Gaïpaï. Un mouvement Gaïpaï, ça veut dire que, il y a des un pile grâce, et il y a un pile monde qui va te rejoindre pas. Oui, mais ça fait tout partout. Une impression. Colonel. Même le monde qui a une responsabilité, notre crime, il y a des même Mais ça me veut dire, colonel, c'est partout pareil. Ou même où il est le gars pas, mais l'autre monde n'a pas les brouiller piste. Non, le gars pas les brouiller. Ah, mais c'est ça me dit. Donc c'est partout, après qu'un crime finit de commettre, et même avant le crime, non, il y a des dispositions auteurs intellectuels et criminels eux-mêmes, ils prennent des dispositions pour empêcher qu'ils arrivent sous eux. Nous voyons ça très souvent dans des films et... Oui, mais c'est normal. Pour moi, dans le film, c'est comme ça. C'est totalement normal, oui. C'est dans le métier. Malheureusement, on n'a pas dit que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, il faut le dire. Il faut le dire, c'est comme ça. Donc, peuple haïtien doit croiser bras, je dis là, pour tendre les jeunes justice. Ok, il n'y a pas jeune tout, la vie continue, colonel? Bon, depuis que nous avons un pays, il n'y a pas jeune justice, la vie continue. C'est.
on va dire un ADN fonctionnel, un de réalité permanente. Maintenant, pour la population qu'on est pour remplir l'information qu'a choisi en plus de bagaille et pour manipuler, pour aller la rue et assassiner du monde ou bien à craser des bagailles du monde. Je n'ai pas rien pour avec cette patrie. Moi-même, j'ai suivi hier intervention pour un sénateur qui prend sous responsabilité le cité, non de monde direct. C'est de l'irresponsabilité parce que nous avons aussi sensible pour ce technique pour pas avoir faire de pulsion, de supposition sur les défaits et pour affirmer. Je regarde ça d'un niveau. Des interviews qui passent au niveau international. Mais le vieux président, c'est qu'il y a un compte avec le monde qui est identifié. Donc, si tout le monde s'est dit qu'il y avait des têtes ensemble pour nous compter dans son bruit à l'assassiner, non. Donc, on est un petit peu calme, parce que ma bruit dit qu'on est en matière criminelle. Mais, colonel, où se dit nos points là, permettre que moi tourne sur lui avec vous, bon, c'est pas pour moi, c'est pour le monde qui a suivi nous, capable de comprendre un peu. Ça cap dit ou ça cap passé ou dit que enquêteur ou encore monde qui l'a que la supposé tendre je dis on ou gain l'impression monde ça y a une enquête là tout est-ce que on doit bien comprendre c'est ça que vous l'avez dit ben c'est ça va constater non je dis que monde je dis publiquement tu vois ce que ça cap passé jusqu'à présent je dis c'est des mercenaires colombiens qui assassinent les présidents. C'est tel type vivant. Mercenaires, ça y est. Qui a fait rentrer dans le pays? Qui l'a rentré dans le pays? À travers qui est-ce qu'il rentre dans le pays? Hein? Nous t'es rentré pour faire tout ça. Nous t'es rentré qui bon? Et est-ce que mon côté l'État qui fait l'État rapport qu'on ait un tel groupe qui a telle nature, il y aurait été tel côté. Par exemple, je me rappelle que le secrétaire d'État sécurité publique, c'est une situation préventive en matière de sécurité m'a réglé. Je parle avec le commissaire de police là, je me demande le rapport et hôtelio sur l'occupation des hôtels, les étrangers qui y sont. Les dates de leur arrivée, si je ne dis pas de bagaille content. Moi, je ne comprends pas. Parce que dans tout pays, quel que soit le pays, il y a des bons étrangers rentrés, donc l'IPAC et l'immigration, même côté du ministère de l'Intérieur, qui vous a dit tous les étrangers rentrés, qui est surveillé, côté sorti, pour combien de temps il y a prêté, qui adresse probable qu'il y a prêté. Oui, mais tu connais le bagaille, le colonel. Où est-ce qu'on est le pagain? Dans l'état actuel, les choses, j'en paye rien parce qu'on n'a pas longtemps de vous le secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est-à-dire que vous devez dire un pays qui est déjà désorganisé, colonel. Ben, écoute, c'est pas parce que le désorganisé que la désorganisation vit normale. Non, c'est pas ça, me dit non. Moi, je voulais dire, colonel, où est-ce qu'on n'a pas besoin de réponse là? Où est-ce qu'on n'a pas besoin de réponse là, colonel? Non, honnêtement, non. C'est leur réponse, moi, un petit. Parce que ce n'est pas qui est dans l'esprit naturel, c'est un outil, nous sommes tous là. Ça veut dire que tout étranger qui est dans le pays, ou pas l'opération, n'a plus ou plus le mot de l'adresse que toi, mes amis. Oui. Fiche, ça suppose à un ministre de l'Intérieur qui scrime, oui. Non seulement scrime, et qui a vérifié. Par exemple, il y a un peu de monde qui a fait des choses et il y a des Airbnb. Il y a un peu de monde qui a fait des choses dans l'hôtel. Mais dès lors que le monde est arrivé, le système de sécurité du pays a fait pour moi des gens pour lui faire des déclarations dans la police. Il y a un monde qui se fait tel côté, tel lettre, il y a tel gens, mais pour finir, il y a des lacs et il n'y a pas tout le temps de ça. Oui. Ça, c'est information finie. Mais sécurité l'État, des devoirs pour la contrôler. Pour suivre qui ça nous a fait, côté à l'IFCC, tout le monde n'est pas normal. Parce que si nous ne faisons pas ça, moi je dis nous faut le faire. Et les gens pour le faire, ça, c'est la routine. Je vais vous rappeler.
sur le plan technique, on l'aime de prendre une décision, tellement son week-end ou pas avec famille. Officier de l'armée. Mais là, je viens de Marie-Moutou. Moi, j'ai descendu machinement, Marie-Mal, avec famille, avec tant de monde. Et au moins, je me suis dit l'hôtel, je me suis descendu dans l'hôtel, moi. Mais, moi, je suis dans l'hôtel, moi, comme moi, j'ai entré dans mon bail. Moi, j'ai dit, où est-ce que tu peux me contrôler si ça me dit qu'il n'y avait pas? Maintenant, si nous démontrons tout ça, nous mettons tout le monde en insécurité, jusqu'à ce que la sécurité a vice président de la République. Oui, mais laissez nous avons l'armée d'éthique là, colonel. Bon, c'est pas moi-même qui. Qui casse là. Qui fait l'armée pas là. Donc, tout le monde qui fait ça, on connaît qui fait ça, qui t'a voulu faire. Et un dernier point, je voulais avec vous, colonel. Et autorité a annoncé. Arrestation de un certain un pasteur et un docteur tout de Christian Emmanuel Sanon un monde qui avait évolué en Floride. Il a dit aux jeunes pile bagaille la Kaili et arrestation ni en t'a permettre que yo découvrir m'a cité deux auteurs intellectuels de assassinat. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça ou même, colonel Rebu? Un commentaire, c'est un élément en plus dans l'enquête là. C'est pour entrer de approfondir à ce temps, puis capable de mener à certaines filières. Mais pas plier comme toujours, il y a un pile travail qui t'a fait pour joindre de fonds hauteurs. Et par exemple, ma tante un. Mon bagage a dit que Mme Président est mal. Je m'a posé des questions. Comment Mme Président, qui est un monde blessé, premièrement dans son cœur, dans son intimité, dans son corps, dans l'hôpital, et puis c'est des déclarations politiques, mais il y a aussi une bataille après. Si mon guide est capable d'entrer dans la chambre côté Mme Naya pour la vraie interview. Côté Mme Naya, l'histoire est au VIP, et dès lors qu'on vient de rentrer sur le territoire américain, on a un plan de sécurité qui est assuré de sécurité. Donc, qui est assuré de tout le monde qui a présenté sa propre volonté. Parce que, il y a des gens qui ont bien intention jusqu'au côté Mme Naya pour rentrer pour y aller. Donc, on a un plan de sécurité qui ne va pas permettre n'importe qui de rentrer et de sortir. Est-ce que vous pouvez permettre Mme de faire une interview? Et bien, bah, pour ça, et puis vous voyez le téléphone qui sortit, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas capable de faire tout, comme un haïtien nous fait tout le bagage. Non, mais je ne sais pas quoi. Tu as semblé que. Le monde prend une vidéo comme ça, ou un véhicule, ou un bagage, pour qu'on ait pour entrer dans une probabilité de manipulation. Non, je sais qu'il est même un dossier criminel. Non, t'assemblée colonel, Madame Nogue, elle parle avec des mondes, des proches, qui confirmaient que c'est effectivement que c'est les mêmes. Moi, pas commenter, non. Moi, je dis, voilà un bagage qui t'a mérité expliquer. Ah ben, colonel, et comme auditeur et téléspectateur capable de remarquer, ou pas dans le pays, ou bien plus à jour dehors, colonel? Bon, je suis parti depuis le 17 mai, et puis je conseille de contrarier ce qui s'est passé dehors. Et je crois que je vais rentrer probablement, et jour où elle arrive, et puis je vais l'autre contrarier ce qui s'est retourné, et à le régler de l'autre, qui s'est passé dehors jusqu'à présent, et je vais prendre très bientôt. Merci pour la disponibilité, colonel. Faut me dire que moi seulement, malgré les difficultés que j'ai eues pour me communiquer au début, je suis seulement comblé attente plusieurs auditeurs et téléspectateurs qui ont souhaité tant d'eau par rapport à ça qui passé. En tant que technicien, tout, en tant que monde qui consacre les âmes, et en tant que militaire, un peu le monde a souhaité tant d'eau et c'est ça qui fait que vous êtes avec nous aujourd'hui. Hein. Permettre que je vous remercie de tout cœur, colonel, pour la disponibilité, comme à chaque fois. Métropole. C'est moi-même qui remercie vous. Bien content, nous va parler aspect politique qui est là. Et Mapton Laurenté. Pas de problème. Merci, colonel. Vous avez suivi. Moun qui est responsable,
contrôle sécurité président, retirer tout palier ça, de telle sorte que l'agression est capable de faire. Or, qui ça moi-même m'a suivi depuis l'événement au commencement? Ce n'est pas un élément ou l'élément surprise d'hériter complet parce que des gens pilent qu'a fait jusqu'à ce que trois camounes Kadia a filmé ça qu'a fait et a transmettre sur vidéo. Des gens qui ont parlé, des gens qui ont pas information, d'après les gens qui dit qu'ils n'ont pas tiré et opération DEA. Maintenant, si opération DEA a fait à 1h du matin quand on vous donne la République, Premièrement, qui est tué, qui j'ai offert entrer, tel j'ai voulu entrer, il y a deux gens pour entrer. Ou bien ils ont tué tout le monde qui sont paliés pour empêcher le vieux président, et puis ils ont entré de fond. Donc, c'est le premier monde pour poser des questions, c'est tout le monde qui est dispositif. Parce que ça crée à son bagage qui est totalement impossible. Et puis, on a compté au moins 8, 9, 10, 15 personnes mourir avant d'arriver, même pas là avec le président, pour avoir le tuer le jour. Est-ce que nous avons parlé de failles, techniques, ou de tromper vigilance des gens qui affectent la sécurité du président? Pas résident. Premièrement, pas qu'il y ait failles techniques. Si vous avez une technique, c'est que vous avez succombé. Maintenant, si vous avez trompé vigilance, on est qui est un sentinelle, son poids extrêmement sensible. Sur le plan physique, tout ça passe. Pour les gens qui viennent, pour les gens qui entrent, premièrement, qui est tué, qui j'ai offert entrer, tel j'ai voulu entrer, il y a deux gens pour entrer. Ou bien, bon, vous pouvez barrer par eux. Ou bien ils ont tué tout le monde qui sont pas liés pour empêcher le vieux président et puis ils ont rentré de fond. Donc, c'est le premier monde qui vous pose des questions, c'est tout le monde qui est dans le dispositif. Parce que ça crée à son bagage qui est totalement impossible. Et puis, il faut compter au moins 8, 9, 10, 15 personnes mourir avant d'arriver, même pas là avec le président, pour avoir le tuer le jour. Est-ce que nous avons parlé de failles, techniques, ou de tromper vigilance qui affecte la sécurité du président? Pas résident. Premièrement, pas qu'il y ait failles techniques. Si il y a failles techniques, c'est que nous avons succombé. Maintenant, si j'en veux tromper vigilance, on est qui est un sentinelle. Son poids extrêmement sensible. C'est bien possible. Alors, ça fait me parler de ça, tromper vigilance, parce que tout le monde tendait sous vidéo, il y a un monde qui a dit, monsieur, c'est dit, il est parti, et ce n'est pas une minute, il y a un parti sur vous. Oh, c'est le président seul qui vous a informé, qui a pas autorisation pour entrer. Donc, moi, sous poste. Un poste de défense de la sécurité du président de la République, deux, trois mouns au cœur de la vie, viennent à se dire, pas tirer sur nous, et puis pour nous, on a quitté rendu. Faut information d'aller jusqu'à président, et que le président lui-même a connu qu'il a rendez-vous avec Mounzaïo, pour n'avoir pas autorisation pour rentrer. Mais par contre, le monde qui a bien autorisation pour rentrer que le président est, qui a un monde qui a l'autre pour être capable de rentrer. Ça veut dire qu'on est pour son sentinelle ou son poste de défense pour le président de la République. Ce n'est pas des gens qui prennent dans le microphone, ça veut dire qu'ils sont intérieurs pour les gens qui sont rentrés, ça n'existe pas. On ne peut pas prendre ça sous responsabilité en tout cas.
Vers ça d'arriver, on t'a relé. Comme c'est président qui tout plein directement et qui potentiellement il a été pour t'a informé, et c'est lui qui t'a fait instruction. De toute façon, en parallèle, pendant que tu as fait président comme ça, quand tu as eu les gens qui sont responsables, qui ont dit, mais tel problème qui vient, qui ça pour vous faire? Donc, dans le cas ça, selon vous-même, et gagner un pile monde qui est impliqué. Bon, pas un pile monde, ou quoi? Ou dit un seul? Simplement, un monde qui a une capacité pour le bail. Ou dit un monde qui a une capacité pour le pour bail. Mais. Oui, un monde qui a une capacité pour le monde qui est sous portion, pas intervenir. Mais, colonel, comment mon yo, en fait? Agent Sayo, ce n'est pas des zombies que vous voyez tout. Le autant de un pile coup de zam a tiré en dedans. Jusque-là, pour ne pas réagir eux-mêmes, est-ce que vous êtes abdormi ou bien est-ce que vous êtes sous base ou bien est-ce que vous avez un pile bagage que vous n'avez pas qu'à comprendre, colonel? Et vous avez dit, qui sait? Moi, je vous parle de 11 ans pour être capable de rentrer. Comme ça, quand vous pouvez même arriver devant barrière, caille président, jusqu'à ce qu'il y ait tiré dehors, au moins ça tiré, comme on dit en situation d'agression. Parce que une caractéristique opération Sayo, c'est le secret et le silence, la surprise, jusqu'à ce qu'on mette son possible là. Ou pas qu'à finir dans un temps président, vous avez tiré. Tant qu'on peut rentrer dans la croix, tant qu'on peut rentrer dans la taille là. Non, mais est-ce que c'est pas le arrivé ou... oh, non. Colonel, est-ce que c'est pas le arrivé en dedans et commence à tirer? Je ne connais pas. Mais l'image, je vais regarder. Les déploiements que je vais regarder, qui sont sur tout Internet. Là où est monsieur, il y a une machine, il y a un projecteur. Où est monsieur, il descend une machine. Il va déployer. Tout pouvoir, ça va être fait. Tant que vous n'avez pas sécurité du président, sans que vous n'êtes pas au courant, à moins que vous ne soyez pas du tout. Et même si vous êtes là, même si l'attaque vous êtes dit, c'est diminué, il faut que vous ayez les chefs pour vous dire, gros problème là, mais il y a des gens qui disent, vous avertissez le président et vous avertissez le monde qui s'est dit, mais depuis que vous tirez dans la bataille, c'est qu'on engage la bataille, et si vous engagez la bataille devant, vous répondez. Ok, nous tant d'explications, nous tant de compréhension de ce qui passé à colonel, mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit tout simplement un complot. Un complot local ou bien un complot international? Non, ça ne sont pas des vrais melting pot très bien organisé. Qui organisait techniquement avec tous les gens qui ont des complicités du palais, vous êtes capable en douceur pour ça. Et puis, il y a plus l'information qui parle. De l'intoxication. Sur le plan technique, ils ont dit que ce sont des Colombiens qui montaient et qui viennent assassiner le président. Et puis, les Colombiens, ça veut dire des professionnels qui ont assassiné le président, ils ont retourné dans le même cas qu'ils ont retourné en bas de l'opération, qui retournent vers lui à moins de 600 mètres d'un poste police. Écoutez, il y a un principe tactique qui dit, dans une opération, la route de la ligne n'est jamais la route du retour. Et que si on passe le chemin à l'opération, on a l'autre point d'évacuation pour le poste. On va capter le retourner même côté.